Tunaanza na nous commençons avec la première étape. Décision. La décision. Kamata uamuzi. Décision. Kukamata uamuzi. Le choix d'une épouse. Ujumbe unaoitwa kuchagua bibi harusi. Fuata hapa. Suis. Vous ne pouvez pas tout avoir. Hawezi kuwa na vyote. Il se pourrait qu'il se trouve une fille vraiment jolie. Yawezekana awe ni binti mrembo kweli. Et qui n'autre disons que son standing soit meilleur. Na mwingine tuseme eti hali ya maisha yake nzuri. Uh-huh. Et vous auriez à en préférer une plutôt que l'autre. Na ungeweza penda huyu kuliko mwingine. Mais lakini si elle ne reflète pas le niveau de vie d'une dame, kama haonyeshe kiwango ya maisha ya mwanamke mwenye kujiheshimu, d'une femme au ya mwanamke, oh qu'elle soit jolie ou non, au awe mrembo asiwe mrembo, vous ferez mieux de choisir le caractère quel que soit jolie ou non. Ingelikuwa heri uchague tabia hata awe mrembo au asiwe mrembo. Skia, écoutez, awe mrembo, qu'elle soit jolie, asiwe mrembo, qu'elle ne soit pas jolie. Ça on attaque décider que minataka o. Quand tu veux te décider que moi je vais me marier. Wanzi angalia kwanza tabia usiangalie mrembo. Commence à regarder d'abord les caractères, ne regarde pas la jolibilité. Muna tuitikiaka? Est-ce que vous acceptez cela? Banyie. Vous les garçons, munaanza kangalia macho, vous commencez à regarder d'abord les yeux. La poitrine, mugongo, les dos, la bitugani, la taille, je ne sais pas, les bassins, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, mais bana kuambia, mais on te dit, caractère, eti angalia kwanza tabia. Kama ulidanganyika déjà pas. Si tu t'es trompé à partir de là. Haoku vérifier caractère. Tu n'as pas vérifié le caractère. Ukaona carcasse ya inchi. Tu as regardé okay, juste la carcasse. Okay. Takuzali ya ba wili. Elle va juste te donner deux enfants. Carcasse ina change. Et la carcasse va changer. Amen, amen. C'est vrai. Njou nanza mchukia. Et là tu vas commencer à la haïr. Juliona inje. Parce que tu avais vu dehors. Kwa na tabi. Tu n'as pas vu le caractère. Chou ni mutu. Oui, c'est une personne. Atagonjwa. Ndiyo. Elle peut tomber malade. Elle va accoucher. Kama hukuona tabia. Mais si tu n'as pas vu le caractère. Amen, amen. Terrible. Danger. Twende, twende. Ok, ok. Enfin, car, paragraphe 48. Mana. Il serait convenable. Ingelifa. Un chrétien désire se marier. Wakati mkristo anahitaji kuoa. Qu'il choisisse une femme qui soit véritablement née de nouveau. Achague binti au mwanamke aliyezaliwa kwa kweli mara ya pili. Bon, hapa tuko mu étape gani banduku? Maintenant, là nous sommes à quelle étape, mes chers amis? Ni mu cérémonie. Est-ce que c'est dans la cérémonie? L'engagement. Est-ce que c'est dans l'engagement? Est-ce que c'est dans le vœu? Nous sommes à la première étape. Il ne t'a même pas encore dit que je t'aime. Il ne t'a même pas encore fréquenté. Il est à la recherche de trouver celle qui déjà naît de nouveau. Nous sommes en train de les voir passer devant nous. Nous commençons à leur dire que nous allons les marier. Akisimama tu mkanisa na kupita ako. Juste quand elle passe devant toi dans l'église. Roho inapiga pi. Et le cœur bat pou. Ona we. Yo. Ale roho inaenda. Et le cœur. Ulishaona kama alishazaliwa mara ya pili? Est-ce que tu as découvert qu'elle est déjà née de nouveau? Ukimjipiga hapo anaenda kukuniga kule mbunyumba. Utaniuliza mie Patrick? Maintenant si tu t'y mets Cyril et qu'elle part t'étrangler dans le foyer, est-ce que tu vas me demander moi pasteur? Nye ba fie mkishaona wa kunyoroka garçon wa kunyoroka. Et maintenant vous les filles quand vous voyez un homme roho inaendaka? Et le cœur bat. Est-ce que hiko wa makali? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas méchant? Ulianza vérifier? Est-ce que tu as vérifié? Mie njoa kukwambia? Est-ce que c'est à moi de te le dire? Non, non. Uliitika, tu as accepté. Ulivumula ça ou li désirer kuolewa. Mais na quand tu as désiré d'être marié. Critère yako ilikuwa gani? Quel était tes critères? Quel était ton critère? Ulikuwa na liste wa diplôme.
qui soit diplômé, celui qui sait parler français, celui qui a un travail, celui qui a l'argent, celui qui a une bonne famille. Maintenant dans la décision, qui désire, déjà ringali mu désir, c'est encore dans le désir, ringali mu hitaji, c'est dans le désir. C'est dans la pensée. C'est décision ya kuoa. C'est encore dans la décision de se marier. Ah ouais, amezali wa mara. Qu'elle soit ou qu'il soit né de nouveau. Sasa maintenant niko nataka kuuliza. Maintenant je vais poser une question. Huyu mwenye ulidesire kuoa mwenye hamuamini sawa, uliyua yeye kama nazali wa mara ya pili. C'est là où celui dont tu as désiré de te marier avec. Quand est-ce que tu as su qu'il est né ou qu'elle est née de nouveau? Hivi uliacha ba sœur. Comme tu as laissé nos sœurs. Ukaenda kule. Et tu es allé là-bas. Uliona ule anazaliwa mara ya pili kushinda benye banahubiri waka sawa weye. Tu as vu que celle-là elle est de nouveau par rapport à celles qui sont prêchées comme toi. Amen, amen. Aksida yako ton accident commence à partir de là. Na mtoto wako aksida yake ni pale. Et ton enfant son accident c'est là. Amen, amen. Quand vous commencez mal, unapoanza vibaya, c'est dangereux que vous finissiez mal. Ni hatari ufikie na kumaliza vibaya. Vous êtes en train de mettre au monde des garçons. Muko mnazala wa vijana. Et des filles. Na wabinti. Faites tout. Jitahidini. Même s'ils seront faibles. Hata wazifuke. Qu'ils n'aillent pas en dehors de l'église. Wasiendake wa nje ya wa mkanisa. Ça c'est vrai. Bimushinde, c'est difficile pour lui. Mais asienda ke inje. Mais qu'il ne parte pas en dehors de la parole. Amen, amen, amen. Et voilà. Mes chers amis. Mais à quoi c'est bien qu'on a dit qu'il français? Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas le français. Comment il qu'on a dit qu'il faut une amie? Il y a celui qui est en train de comprendre contrairement à moi. Quand un chrétien désire se marier, wakati mukristo anataka kuoa, il a les désirs. Il choisisse achague une femme mwanamke qui soit réellement née de nouveau. Ambaye alizaliwa mara ya pili ya kweli. Quelle que soit son apparence. Haijalishi sura yake. Inaendelea soma. Quelle que soit son apparence extérieure. Haijalishi hali yake ya nje. C'est ce qui se trouve en elle qui est son véritable moi. Ni kile chenye kiko ndani yake ambacho ni yeye alicho. Une fois de plus, moja zaidi, cela reflète le véritable caractère divin. Na hiyo ina bashiri hiyo tabia ya kiungu. Et ce qui se trouve dans la pensée de l'homme, na kinachokuwa katika mawazo ya mtu, et ce qu'il adviendra de sa famille dans le futur, na chenye jamaa yake itakuwaka musiku za usoni, de l'avenir futur de son foyer, unyumba wake musiku za usoni, famille qui sera élevée par cette femme, jamaa yenye italelewa na ule mwanamke. S'il se marie l'une de ces modernes Riqueta, reine du sexe, que peut-il attendre du futur? Quel foyer cet homme peut-il espérer avoir? Oh. S'il marie une fille qui n'a pas assez d'estime, elle, même pour rester à la maison, afin de pourvoir à son entretien, uh-huh, et qui veut s'occuper du business de notre. Ça, on attaque à Oua. Quand tu veux te marier, le père de mes enfants. La mère de mes enfants. Amen. Elle doit être comment? Celui qui va garder mes enfants ou celle qui va garder mes enfants. C'est vrai, c'est vrai. Donc si je ne serai pas là, je saurai qu'il est avec les enfants ou qu'elle est avec les enfants. Amen, amen. Est-ce que vous avez déjà écouté les petites? Eh, wadada, vijana. Les petites filles. Wabinti vijana, vous avez 17 ans. Una miaka 17. Vous commencez à tromper que vous avez 18. Unaanza danganya eti una miaka 18. Parce que vous voulez tout prix arriver à 18 pour être marié. Unataka ujikomalishe tu kusudi uolewe. Et vous êtes prêt à prendre tout ce qui viendra. Na uko tayari kuitikia yeyote atakayokuja. Sans regarder. Bila kuangalia. Il est qui? Ya kuwa yeye ni nani? Il est comment? Na iu namna gani? Il vient d'où? Na natoka wapi?
Vous êtes devenu comme ces billets-là dont on crie dans les quartiers, même si c'est mal abîmé, amen seulement. Batterie à koukoufa, batterie à koukoufa, ataï arribique aïe, l'état. Oh, la batterie détruite, même si elle est détruite, comment? Amen. Il t'a explosé. Ça va exploser. Il t'a ripouka. Oh Seigneur. Acha poupa mtoto wa mama. Calme-toi la fille de ma mère. Oh. Acha zengine masamble zibifanye na zengine hapana hapa. Est-ce que les assemblées commettent cela pas ici? Mama nisikie. Maman écoute-moi. Akiolewa vizuri utasinzia. Si elle se marie tu vas sommeiller. Akiolewa vibaya utakosa usingizi. Si elle se marie mal tu manqueras le sommeil. Amen. Na kama ulimumbaka mkono utalia naye. Si tu l'avais aussi appuyé, tu vas pleurer avec elle. Atakuwa anakuambia mam. Il va te dire maman. Mam. Maman. Mam. Maman. Wenju linambia. C'est toi qui m'avais dit. Shanga. Oh la tante. Wenju linambia. C'est toi qui m'avais dit. Pasteur. Pasteur. Wenju linambia. C'est toi qui m'avais dit. Tu m'avais dit de l'amener, vous allez la baptiser seulement. Regarde maintenant. Oh Seigneur. Ali Ezali Wamara. Celui qui est né. Inje ya imani yako. Amen. Maintenant, elle a été née de nouveau comment? Avec les prédications des autres. Et tu as laissé celle dont vous entendez la même prédication. Et tu es parti prendre celle qui écoute les prédications des autres. Celle qui ne croit pas exactement comme vous aille la nouvelle naissance. Mwenye hasikiake bahu. Mwenye celle qui ne croit pas exactement comme vous. Mwenye haamini sawa sawa na wewe. Aïe la nouvelle naissance. Alipata kuzaliwa mara ya pili. Tu es allé la chercher. Ukaenda mtafuta. Dans une foi qui n'est pas comme la vôtre. Katika imani tofauti na wewe. Aïe sans ceux qui croient comme toi. Ukiwaacha wanaoamini sawa sawa na wewe. Parce que nos sœurs ne sont pas nés de nouveau. Sababu wa dada zetu hawazaliwi mara ya pili. C'est ça, c'est logique. Oui, oui. Jou likoso kuzaliwa mara ya pili hapa, ukienda tafuta mwenye nazaliwa mara ya pili mu doctrine ya polygamie. Comme tu as manqué celle qui est née de nouveau ici, il faut que tu la trouves dans la doctrine de la polygamie. Bitafika siku ndako nabambia. Ça arrivera un jour, je vous dirai. Nabambia hivi. Je vous dis ceci. Lakini, mais moyani shutane. Attendez d'abord que je me puisse m'accroupir un peu. Lakini, mais aussi mutu sawa mwingine. Tout y met comme mama benyi bakonda ba musika hapa. Les mamans qui ont des filles vaende ku magoti pour que ba musika yabo ba olewe. Chaque jour elles partent à genoux pour que leur fille soit mariée. Bakuye kusikia unagungubuka. Ils écoutent que toi tu t'es juste élevé, unavuka ma barrière. Tu as juste tu as traversé la ligne, unavuka le mustari. Tu as franchi la ligne, unaenda lopola muyengine kisima. Tu as parti pêcher dans un autre endroit. Hamuamini meme sawa sawa. Toi tu ne crois même pas la même chose exactement comme. Haiko ata mu ma église. Ce n'est même pas dans des églises. Zenye tunaamini sawa sawa. Toi nous croyons exactement. Unachomoka? Unaenda lopola mu ma doctrine kule. Tu vas pêcher dans des doctrines là-bas. Unamuchomeka. Et tu l'introduis. Bana mu baptise. On la baptise. Après? Et puis après, Nico na mariage. Je vais me marier. Aba. Les mêmes. Je vais couper tes franges. Ce sont les mêmes mamans qui vont te donner encore. Je vais lumbu les mikono. Qui vont encore être brûlés les mains pour préparer les frites et les autres choses. Est-ce que vous n'avez pas honte vraiment? Qu'on a choqué Shabbat ou le tatale ma musique ayab. Tu es en train de faire fatiguer les gens pendant que tu as refusé leur vie. Vous n'avez même pas honte. Uliona basere bako bahapa habafai. Tu as vu que les sœurs d'ici ne valent rien. Vraiment. Ivi hatuna barembo tu humu. Donc est-ce que nous n'avons même pas vraiment de jolies filles ici vraiment? Kama habana burembo. Et si elles ne sont pas jolies? Kamekula message 6 ans, 10 ans. Et si elles ont mangé les messages pendant 6 ans, 10 ans? Mwenye uko na leta, celle que tu nous amènes nasuka. Elle est encore en train de tresser. Na samwe na haiko atana vierge. Peut-être qu'elle n'est même pas encore vierge. Oui, oui. Maintenant tu viens nous faire fatiguer. Tu coupes franga. Que on te donne l'argent. Que les soeurs préparent à manger. Et toi tu es parti pêcher là-bas. Escroc.
Toi, tu es un escroc. Vous pensez qu'elles aussi ne peuvent pas être contentes de marier leur fille? Vous pensez que leur maman ne prie pas que leurs enfants aussi se marient? Quel est ce parent-là qui n'est pas content quand il voit aussi sa fille passer là avec le voile en train de danser? Vous croyez qu'elles ne sont pas aussi contentes? Vous croyez que l'humain ne passera pas là-dedans? Amen, amen. Wanyanyasi. Ndabasirita. Je vais vous écrire. Ni libambia kama itakuwa prédication yangu ya mwisho niende kufa, nikufe munizike. Mimi namtasemaka pasteur alikatalaka hiki. Na mtumishi mwenye tabaletia contraire ya hivi. Na habaletia maandiko hata kama ni nani mumfukuzake. Amen. Et même tout serviteur. Tu veux dire le contraire de ces 600 écritures, chassez-les. Que ce soit ces serviteurs qui commencent le Mugunga, que ce soit Mugunga, que ce soit Kajed, que ce soit en Tanzanie, wapi, que ce soit où je ne sais pas, qu'ils deviennent de ces ministères. Et que nous découvrons les ministres qui encore se tournent. Nous allons le faire à soi. Et si c'est ton mari, tu as déjà découvert cette situation. Dis-lui qu'il démissionne. Le jour que je vais l'avoir, je vais le faire brebis. S'il se fâche, il va aller ouvrir son église. Toi, il va tuer les gens avec les mariages mixtes. Amen, amen. J'aurais un œil très regardant. Au point que nos ministères, quand ils vont commencer le travail, nous allons le faire à soi et nous dire on n'a pas un prédicateur comme ça ici. Et quand vous irez communier là-bas, vous découvrez les séquelles. Dites-moi. Amen, amen. Vraiment. Vraiment, attends-jo. Même si. Attends-jo, Kabisa. Même si. Atuna ba musika Kabisa. Vous croyez que nous n'avons pas de filles vraiment ici? Ule mwenye unaenda tafuta. Alizaliwa mara ya pili. Ulibiyua yena hamuhubiri wake pamoya. Celle dont tu es parti chercher, elle a été née de nouveau. Comment tu l'as si et vous ne communiez pas ensemble? Amen, amen. Nabali kwa shia kwambia. Et le critique a déjà dit. Toi, exactement comme vous. Et tu anaye amini sawa sawa na wewe. Sibina kufia déjà mon décision. Est-ce que ça ne mène pas déjà à partir de la décision? Toi, ende mon fréquentation. Bon, allons maintenant dans la deuxième étape, la fréquentation. Ok. Oh, comment? Goma, vraiment, oui, nous avons lu cela. Amen. Vous pouvez nous critiquer sur cela, mais nous l'avons lu. Nous avons lu cela. Et si d'autres avaient écouté ceci avant, ils ne pourront pas pleurer aujourd'hui. Amen, amen, amen.